Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le coureur de tête, qui n'est autre que Felice Gimondi dans ce Paris-Roubaix, se trouve actuellement à 25 km de l'arrivée. Et il compte 1 minute 45 secondes d'avance sur deux autres coureurs, d'Ancelli et de Beauvert, et un peu plus de 2 minutes sur un groupe de 10 hommes composé de Adorni, donc un autre Italien, vainqueur tout récemment du Tour de Belgique, vainqueur l'année dernière du Tour d'Italie, Raymond Poulidor et Edouard Delberg, les deux Français de ce groupe, Van Looy, Sels, Bokland, Huymans et Brands, tous Belges, le Britannique Denson et le Hollandais, ancien champion du monde, Janssen. Quant aux autres coureurs, on n'en parle plus, ils sont dans cet enfer véritablement terrible qu'aujourd'hui traversent les coureurs de Paris-Roubaix. Et pourtant, première constatation que vous avez sans doute faite en même temps que nous, le temps est redevenu plus clément dans le nord, alors que depuis le départ de Paris, pendant environ 180 km, les coureurs ont disputé de véritables courses contre le froid et contre la pluie. On a même vu Mertens, qui comptait pourtant 4 minutes d'avance, mettre pied à terre pour se réchauffer et gravir à pied une côte, son vélo à la main. Donc depuis le départ de Paris, la pluie avait copieusement arrosé le peloton, mais fort heureusement, alors que l'on entrait dans l'enfer du nord, c'est-à-dire après Denain, brusquement le ciel s'est dégagé. Et depuis Denain, nous connaissons une course absolument extraordinaire. Ça a d'abord tout été le Belge de Beauvert qui s'est assuré près de 45 secondes d'avance après les premiers pavés. Et il prenait ainsi le relais de, non seulement de Mertens, mais d'un autre échappé solitaire, le jeune Français Salmon, qui du côté de Saint-Quentin avait lui aussi occupé la première place avec une minute d'avance. Et de Beauvert, pendant 20 km, a conservé cet avantage. Il a d'abord été rejoint par Gimondi et D'Ancelli, puis il a été lâché et revenu sur les deux Italiens. Et finalement, Gimondi s'est échappé à environ 35 km de l'arrivée seul, a planté là D'Ancelli et de Beauvert, lesquels sont sur le point pour l'instant d'être récupéré par le groupe de 10 dont je vous ai donné la composition tout à l'heure. Mais si le ciel est redevenu plus pur, plus clair, en fait il fait très froid. Et les premières images que Gilbert Larriaga vous montre ici de cet enfer du Nord, un enfer pavé pour l'instant encore de bonnes intentions, c'est un vieux cliché, mais décidément il tombe à pic chaque année. Vous pouvez constater comme nous que Gimondi est très marqué non seulement par la pluie mais aussi par l'effort. Pourtant, ça n'est pas une surprise pour nous, car ce matin encore, nous le disions au départ de Chantilly, Gimondi comptait pour nous, personnellement, parmi les grands favoris de la course, en souvenir surtout de cette étape extraordinaire qu'il avait couverte l'année dernière dans le Tour de France. Car on peut dire que c'est à l'arrivée à Roubaix qu'il avait déjà conquis son maillot jaune dans le Tour, maillot qu'il devait endosser le lendemain à l'arrivée à Rouen en gagnant en solitaire. Mais la veille, il s'était placé dans un groupe d'échappés, ici sur ce terrain, qui rappelle pourtant de très très loin seulement, ces terres bergamasques. Gimondi est tout à fait à son aise ici. Il a disputé cette semaine le Tour de Belgique, un peu en dedans de son action. Et on peut voir ici, d'après ses réflexes, ses changements de vitesse assez fréquents et son allure relativement aisée, on peut bien dire relativement, on peut voir ici qu'il est bien parti pour gagner Paris-Roubaix, succédant ainsi à Bevilacqua, dernier vainqueur italien en 1951, alors que les Français cherchent toujours des vainqueurs depuis Jean Forestier en 1955 et Louis Zambobez en 1956. 10 ans sans victoire en France, 15 ans sans victoire en Italie. Tout à l'heure, Adriano Dezane nous disait, à l'arrivée de Milan-San Remo, on constate toujours que les étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas italiens, l'emportent. À l'arrivée à Roubaix, on va constater aujourd'hui. Il a l'impression d'en être complètement défiguré. Ah, voici maintenant Gimondi à nouveau, vu de plus près, sur un braquet relativement grand, mais qui prend quand même la précaution de couper ses virages malgré le passage pavé. Lui au moins pourra faire cela, car derrière, il sera absolument impossible à tout le monde de pouvoir adopter la même tactique. Et regardez comme il est chahuté, chaoté sur ce trottoir. Oh là là, quel passage! Donc adopter un développement plus petit, et voilà qui est fait, il se relance à la manière d'un pistard. Décidément, aujourd'hui, c'est un super champion qui triomphe, car se présenter ici à Roubaix, dans un tel état de forme,
faisant montre d'une telle condition physique et disposant encore d'autant de réserves. C'est absolument éblouissant. Et voici donc Felice Gimondi qui entre sur le vélodrome de Roubaix. Le reste, j'ai l'impression que même si sa famille le voyait, enfin, le voit maintenant à l'écran, bien sûr, elle ne le reconnaîtrait pas ici. On le reconnaît, c'est curieux d'ailleurs, beaucoup mieux à l'écran que de le voir de très près. Une remarque encore, et vous les techniciens l'auront remarqué comme moi, Gimondi dispose là de roues avec des gros pneus de section, ce qui lui permettait de passer les pavés beaucoup plus en souplesse. Eh bien, deuxième l'année dernière du Tour de France ici à Roubaix, un Tour de France qu'il allait gagner quelques semaines plus tard. Gimondi vient de remporter...